là où il y a l'esprit de Dieu, là est la liberté. Quand tu es quelque part, est libère. Tu es béni. Tu es fait du bien. Va aller. Allez, regarde. C'est pour ça que les démons qui restent encore ce moment. Il y a les démons qui ne partent pas si tôt. Il dit, il y a beaucoup de choses à faire. Tu ne pas délivré. C'est un processus. Ça va aller par la grâce de Dieu. Parce qu'aucun démon qui peut résister à ce nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Au nom de Jésus, là. En ce moment, tout je nous fléchis. Ça dépend des démons qui sont rentrés. Pourquoi? Mais c'est qu'ils suivent, ils diront ce corps. Il sera délivré. Au nom de gloire à Dieu. Un témoignage, Jésus en tant que prêt. Vous allez lâcher sa Bible. Au nom de Jésus. De Nazareth. Ils vont sortir. Ils veulent sortir. Ils veulent sortir. Ils sont vers où? Hein? Tabou. Ils se jettent. Sortez. Lâchez-le. Au nom de Jésus. Lâchez-le. Au nom de Jésus. Lâchez-le. Lâchez-le. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Sortez. Comme embouté par un esprit d'épilepsie. Vous le lâchez maintenant. Au nom de Jésus. Vous le lâchez maintenant. Vous le lâchez maintenant. Vous le lâchez maintenant. Il avait 68 démons. Enfin, je vous dis, c'est ce combat que je suis en train de mener. Il a 68 démons. Il y a 4 en lui. Donc il y a 38 qui sont partis. C'est pour ça qu'il demandait. Je ne sais pas les choses qu'on dit à tout le monde. On ne doit pas t'effrayer. Qui partait, les choses se déclenchent. Il dit, tu veux qu'il parte. Il s'en va. Les choses se déclenchent. Tu vas faire quoi? Ton petit Jésus fait. Ça, tu peux quand même regarder ce démon. Partez. Vous lâchez. C'est comme ça. Ils auront tous. C'est quelqu'un qui les deux choses ont fait leur adaptation. C'est là que c'est là que c'est pas n'importe qui chasse les démons. Quand vous venez ici, vos démons là me visitent, ils viennent m'attaquer. Comme je les banalise, si je sais en qui je crie. Amen. Chaque homme de Dieu a son onction, chaque homme de Dieu a sa grâce. Je ne sais pas, il n'est pas de l'épouser. Ils vont sortir au nom de Jésus. Ils vont partir. Ils vont partir. Ils iront au nom de Jésus. Leur corps, ton corps ne sera pas la réhabilitation. S'ils voient qu'ils sont en train de trembler, c'est qu'ils veulent partir. Ils savent qu'ils sont déjà vaincus. Dis Amen. Amen. Imaginons, ils vont partir. Ils viennent de nous. Sortez de nous. Sortez de nous. Sortez. Allez-y. Allez-y. Tu veux me chasser. Je ne vais pas aller avec vous. Je ne vais pas aller avec vous. Je ne vais pas aller avec vous. Vous allez le libérer au nom de Jésus. Ils sont à quel niveau bien? La sueur. Ils partent comme ça, vous parlez des porcs, ils sortent. Ils sentent qu'ils sortent. Au nom de Jésus. Lâchez-le. Lâchez. Ici, là, c'est là qu'il y a une mission. Ils savent ça. Mais chez nous, en une semaine, un coup aigu. Chez nous, là, la folie, là, c'est rapide. C'est les esprits. Donc, nous, on résout tous les problèmes spirituels, tout ce qui est sur nous. Les fous de Dubaï, là, pourquoi vous savez, quand les gens viennent, on avait une fille de quand on avait des grands, là, je ne sais pas, Fresco, quand là-haut, là-bas, elle était guérie à l'issue. Lâche-le. Il va partir. Quitte ce corps. Je te vois marcher dans son pied gauche, va-t'en. Voilà, va. Allez-y. Allez-y. Vous êtes 8. Quittez son pied gauche. Quittez ce pied gauche et allez. Allez-y. Quittez son pied. Oui, quittez son pied. Lâchez son pied. Partez. Je le vois descendre. Partez. Sortez. Voilà, sortez. Pas! Nom de Jésus!
Sortez. Allez-y. Allez-y. Tu sais, ça n'a pas de cabot. Tu sais, ça n'a pas de cabot. Je ne suis pas votre lieu d'habitation. Je ne suis pas votre lieu d'habitation. Sortez par la vie. Partout, allez-y. Oh, allez-y. La vasille, zili, wawo. La vasille, zili, wawo. La vasille, zili, wawo. La vasille, zili, wawo. Zili, wawo. La vasille, zili, wawo. Toto, mana, la vasille, zili, wawo. La vasille, zili, wawo. Mais le lieu même de délivrance, c'est à la recours. C'était un centre d'écoute
et de délivrance. Il dit une fois qu'il pense la délivrance, la grande base est pour c'est pour un peu le boulot. Pour ceux qui ont des difficultés par moment d'arriver à Zaloko, peut passer ici. Mais si on arrive à diagnostiquer ton cas, à dire qu'on sait que ton cas nécessite à rester longtemps, parce qu'ici c'est des frais, la ville c'est beaucoup coûteux. Ici il y a de l'eau qu'on dépense, il y a le courant qu'on dépense, tout ça, les frais. Pour rester ici c'est un peu coûteux. Parce que les chambres sont en location, on préfère amener la personne directement à Zaloko. Amen. Il est vraiment important que nous communiquions là-dessus, parce que les réalités, au temps de Jésus, nos réalités sont différentes. Au temps de Jésus, il n'y avait pas poussé dessus, il n'y a pas CIE. Au temps de Jésus, vous n'avez jamais vu que Jésus a dit aux gens allez à l'église acheter la Bible. Puisque lui mettait la parole de Dieu. Donc Jésus lui-même, après qu'il est mort, plus dans les années, des siècles plus tard, les gens ont fabriqué des Bibles. Ils ont fait des Bibles, la parole de Dieu écrite. Est-ce qu'on n'achète pas ça? Oui, mais vous, les gens ils voient toutes les choses en Dieu en gratuité. Vous savez que sans l'argent, on ne peut rien faire. Si vous venez d'être converti, vous êtes un grand casque. On dit, voyons. Que vous allez à l'agence de ceux qui vont Bible pour dire, moi j'ai été converti, moi j'allais vous donner la Bible. C'est parce que tu as été converti que tu dois pouvoir aider. Soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, vous pensez que c'est gratuit, mais ça s'achète à la librairie. Vous dites, nous sommes dans un temps où tout, on a besoin d'argent pour avancer. Normalement, quand on parle des jours, les gens pensent que comme c'est l'œuvre de Dieu, non, c'est l'œuvre de Dieu qui a besoin de soutenir. La preuve, c'est qu'à l'église, on donne les offrandes. On donne les offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, si on vous dit, c'est une offrande, si on vous dit, faites, c'est une offrande. Si vous trouvez ça cher, si vous trouvez que c'est compliqué, c'est affaire de Dieu, mais affaire de Dieu, on donne les offrandes. On paye. Il y a certaines choses qu'il faut acheter. Amen. Ici, nous ne prêchons pas sur l'argent. Ça ne nous intéresse pas de vous donner de l'argent. Mais il y a certaines choses que vous devez payer. Louer la chambre ou l'éducation, ça c'est normal. Parce que la maison nous coûte à 10 euros, c'est à 150 000 francs que nous payons la maison. Il y a l'électricité, il y a le personnel.